Hein? Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez la chaise? Vous entendez la chaise? Non? Moi, je trouve que non. Alors, j'avance. Tu es enfermé dans les toilettes. Ah oui, mais non, en fait, je devrais faire comme les autres. En fait, je devrais faire genre que je suis pas dans un box comme les autres. Alors, les autres, ils font comme ça. Comme ça. Ensuite, ils font ça. Voilà. Ah! Salut! Comment ça va? Non, je déconne. Bon, je vais remettre comme avant. C'était beaucoup mieux. Zip, zip, zip. Voilà. C'est bien mieux. Putain, c'est ouf. Parce que, en fait, j'étais en mode course de chaise. Regardez, en fait, pour changer de chaise avant le stream, je me suis mis comme ça dans les bureaux, là. J'ai pris l'ancienne chaise et je faisais dans tous les bureaux. Et je suis allé chercher une autre chaise rouge, exprès pour pas que ça grince. Parce que l'autre grinçait. Et celle-là grince encore. Donc, fuck. Donc tant pis, j'irai chercher encore une autre chaise et ce sera tant pis. Bon alors ce soir, hein, ce soir on est connecté, je suis invité. Alors vous avez vu la news sur Eclipsia, évidemment, vous avez tous vu la news. Vous savez déjà de quoi on va parler. Si vous ne savez pas de quoi on va parler, eh bien allez voir, ça risque d'être intéressant. Beaucoup d'intervenants, je serai là ce soir. Et voilà. Bon alors, est-ce que si je fais ça? Ouais, on est dans le jeu, mais c'est un peu de la merde. Donc on va plutôt faire ça. Alors, je vous rappelle l'aventure Trackmania, le but c'est d'avoir les médailles d'or dans toutes les courses. Là, on a tout réussi en blanc, tout réussi en vert, tout réussi en bleu, et on en était au rouge. On vient de commencer le rouge, on avait réussi à faire 3... 3 quoi? 3... 3 courses hier, et voilà. Alors si vous voulez voir du League of Legends, parce qu'il existe d'autres streams de League of Legends sur Eclipsia, eh bien, vous pouvez totalement aller voir le Roi Bisou sur la télévision numéro 2 qui fait du League of Legends à du niveau assez élevé. Alors, on va voir ce que ça donne la course 3. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, je sais pas si on fera du combo, hein, parce que hier, le combo, je sais pas si ça vous plaît, le combo, en fait. On va peut-être faire de l'obstacle. Alors, j'ai toujours le problème de micro. Il faudrait que je fasse du... Il faudrait que je fasse du... Il faudrait que j'achète un genre, je sais pas, un Siberia V2 ou une connerie comme ça. Mais c'est vrai que ce micro est un peu merdique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, ça a l'air bien. J'avais enlevé la musique, croyant que c'était ça le problème. Qu'est-ce qui se passe? Ok, let's go. Alors, je ne connais pas les courses, hein, j'y vais à l'aveugle. Oh putain, pourquoi c'est trop moche comme ça? Alors, j'avais baissé un peu les détails graphiques, mais je pensais pas à prendre une claque aussi sévère. Donc on essaye d'avancer dans le jeu, d'essayer de battre les médailles d'or et tout, en essayant de découvrir les courses, mais c'est un peu chaud. Ouah! Voilà, normalement on fait le saut au bout, voilà. Et là on repart dans le checkpoint, donc on y va. Je joue sur la version Trackmania 2 Stadium de Trackmania. Et voilà. Oh merde! Putain, mais je savais pas qu'il y avait un poteau. Ah dommage, j'ai failli faire un one shot d'une médaille d'or. Enfin la course n'est pas terminée, attendez. Encore faisant. Oh! Oh, one shot de la médaille d'or! Bon, voilà. Trop bien. Est-ce que vous avez de la vidéo? Est-ce qu'elle est payante? Mais oui, évidemment. C'est un jeu vidéo. Il faut bien rémunérer les développeurs. Non, je déconne. Bon, GG! GG Noro a plus en LAN. Un peu de chance. Ah non, c'est pas de la chance. C'est Trackmania, un peu de respect. 49 secondes, hein. 49 secondes. Alors, c'est moins fluide qu'hier. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Pas bon. Ah si, je crois savoir pourquoi. Faut aller où là? Ah, faut aller là. Est-ce que pour vous le stream se passe bien? Est-ce que c'est assez fluide et tout ou c'est moins bien qu'hier? Parce que hier j'ai streamé exactement le même jeu. Alors là on est en roue libre, alors attention. Nickel, c'est nickel pour vous? Bon bah très bien. J'avoue que moi j'ai un petit peu de drop the frame. Mais c'est pas grave. Ah putain, là j'ai trop mal joué du slip. Donc là je suis en roue libre, ça veut dire que jusqu'au prochain checkpoint, vous ne pouvez pas accélérer. Donc si vous prenez un mur, eh bien vous mourrez. Zéro drop pour ma part. Ok, bah si c'est nickel pour vous, tant mieux. Alors, on va essayer de découvrir la course ensemble. Où est l'arrivée? Alors là, il y a du dirt dégueu. Alors le dirt, c'est la terre, bien sûr. De la terre! Ah. Non, on va enfin... Je vais enfin participer à un déconnecté depuis que je suis arrivé chez Eclipsia. Moi, j'aime beaucoup cette émission, hein. Oh putain, fallait passer à droite. Ok. Ça va aller de chaud, je sens. Ça va être chaud, pardon. Ah mais non, mais je sais pourquoi, putain. Foutre Dieu. Attendez. Je pense que je sais pourquoi. C'est mieux là? Oh putain, c'est tellement mieux! Oh là là! Ah non, pas du tout. Ouais, si, c'est un peu mieux. Enfin, pour moi. Après, pour vous, ça ne change peut-être rien. Ok, c'était de la merde. Alors, bien sûr, c'est Trackmania. C'est un petit peu du try and die.
Et enfin, non, c'est quand même pas du try and die, mais quand même, on fait beaucoup de retry. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Si, si, ça brille maintenant. Ah non. Ok. Donc voilà, donc bienvenue à vous. On fait de la Formule 1 sur la sur l'Eclipse TV. Enfin, de la Formule 1 un peu bizarre, hein, un petit peu arcade. De très très bonnes suspensions sur ces Formule 1. Mais il faut pas critiquer la Formule 1, hein, c'est quand même le fleuron de l'automobile. On découvre des technologies absolument incroyables. Et voilà. Elle est dure cette course, hein. La roue libre, c'est vraiment dur. Quand j'y joue, j'ai jamais besoin de faire de retry. Ah non, mais après, si vous avez le talent inné, eh bien c'est pas ma faute si vous êtes trop fort. C'est votre faute à vous. Non, mais si déjà je pars mal alors qu'il n'y a pas de. Alors qu'il n'y a pas de. Pas de roue libre, c'est pas bien. Mais déjà, pourquoi il met 10 centièmes là? Pourquoi il met 1 centième au départ là? Bon, là je le massacre. Pas question. Mais... Alors. Ah là je suis pas mal. Oh là je suis pas mal du tout. Incroyable. Oh putain. Il m'a doublé quand même, hein. Wouah. Ok, je suis mieux que lui. J'ai plus de vitesse sur la roue libre. Je vais passer ici comme ça, je ferai un truc plus serré. Voilà. Voilà. Ah je suis pas mal là. Je me souviens plus de la suite de la course, mais. Sinon je suis pas mal. Dirt dégueu. Wouah. Oh j'ai touché. C'est la fin. C'est la fin. Alors normalement c'est la fin. J'ai touché un mur. À Trackmania, ça vous défonce. Mais bon, vu que la médaille d'or est pas très forte, je dis pas ça avec ironie. Hein. Oh putain! Oh, je suis passé, mais c'était chaud. Je suis passé, mais c'était chaud. La médaille d'or est pas très très forte à Trackmania, donc évidemment, c'est normal. Alors, nous avons Aeterna sur la Moderation, bien sûr. Alors, 1 minute 53. Alors ça fait chier parce que c'est une course longue. Et vous le savez, les courses d'endurance... C'est vraiment beaucoup plus difficile. Alors il y a 3 tours, on le voit, c'est écrit à droite. 3 laps. Et en plus quand l'arrivée est verte, ça veut dire qu'il y a 3 tours. Alors, une course symétrique où on peut prendre le chemin qu'on veut. Donc quand on peut prendre le chemin qu'on veut, bah, c'est un petit peu vous qui préférez en fonction de là où vous préférez appuyer avec vos doigts. Moi j'ai tendance à préférer tourner sur la droite. C'est pour ça que là par exemple je prends à droite. Et voilà. Après ça a le désavantage de... Vous savez pas où est votre adversaire. Genre vous avez pas le fantôme de l'ennemi. Genre là je sais pas si je suis devant lui ou pas. Enfin, je suis devant lui. J'étais très peu devant lui parce que j'avais 33 centièmes d'avance. Faut savoir où est-ce qu'il part lui. Est-ce que là on arrive à l'arrivée? Ah c'est pas fluide du tout putain. Faudrait que je baisse peut-être. Parce qu'en fait j'ai changé depuis hier les enregistrements de VOD. En fait c'est pour ça je vous explique. En fait je n'enregistre plus le live. J'enregistre en local recording par dessus en HD. Comme ça, même s'il y a des drops sur le live ou quoi, ça ne coupe pas la VOD. Parce que hier, tous les drops que j'ai eu, enfin toutes les micro-coupures que j'ai eu, ça m'a fait couper les VOD. Donc c'est méga chiant après. Donc là, ça me permet d'avoir un record plus propre. Ah ! Mais après, ça bouffe plus de ressources parce que j'enregistre en meilleure qualité que... Bon, écoutez, je suis derrière elle, 2 secondes, je vais essayer d'aller à gauche. Là. Mais je vais quand même essayer de faire un truc. Oh là là, putain, ça va pas du tout. Voilà, j'ai genre 5 secondes de retard, je pense. Ouais, 3 secondes, c'est trop mort. C'est totalement mort. Alors. En tout cas, n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur le chat IRC. Sur la droite de votre page web, votre navigateur web, à droite de la télévision. Vous avez un encart, vous pouvez venir parler avec les gens. Mais aussi avec moi, peut-être, quand je lirai les trucs, entre deux courses. C'est vrai que pendant les courses, merde, c'est un peu chaud de lire. Enfin, j'avais 1 seconde d'avance, j'ai totalement ruiné. Il m'a rattrapé, du coup. Ah, le dirt dégueu qui m'a bien freiné. C'est un peu chaud, ces nouveaux blocs qu'ils ont mis dans Trackmania 2, avec du dirt au milieu, enfin, du dirt et du béton au milieu. De l'asphalte. Oh, putain, oh, putain. Oh, là, là. Oh, là, là. Oh là là, ça va être chaud là. Derator incite des gens à plonger dans le monde de l'IRC. Change ta voiture. Ah ouais, faudrait que je peigne ma voiture. Mais en fait, j'avais une voiture peinte à mes couleurs et tout, que quelqu'un m'avait faite. Elle était trop bien. Mais pour les installer, c'est trop la merde. Enfin, c'est pas trop la merde, mais disons que ça prend plus de 3 minutes. Donc c'est chiant. Ça prend genre 5 minutes. Et voilà, donc je l'avais... Après, je savais plus exactement comment on refaisait, donc je l'avais plus fait. Enfin, je l'ai pas réinstallé quand
quand ça a fait le reset en fait. Parce qu'en fait quand Shootmania est sorti, enfin quand Trackmania est sorti, la Mania Planet, le client Mania Planet a reset tous ses modèles et tout. Vroom 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 vroom. Ah ça c'était parfait. Non. Putain. Il faut pas toucher les murs à ce jeu, je vous l'ai déjà dit. Bon là c'est pas très grave, j'avais trop d'avance. Voilà, là vous voyez je vais la rattraper normalement. Parce que la médaille d'or elle joue vraiment très safe, elle all-in très peu au niveau des courses. Donc c'est quand même très facile de la rattraper si on prend un peu de risque et qu'on arrive à les passer. Après il faut y arriver quoi. J'essaie de la suivre de manière générale pour bien prendre ses, pas ses trajectoires mais genre me rappeler quand est-ce qu'il faut freiner si j'oublie en plein milieu d'une course. Parce que ça m'arrive. J'ai tellement une super mémoire des courses. Là vous voyez j'ai pas touché. J'ai beaucoup freiné mais j'ai pas touché donc en fait je suis mieux que si j'avais freiné. Là vous voyez par exemple ici elle a 1.38 d'avance. Je pense que si je prends un peu de risque, on va y aller. On va prendre un peu de risque. Je pense que je peux la rattraper. Ah. Wouah, j'ai pris tellement de risques. Ah c'est mort. C'est mort. J'ai pas touché. Oh. T'as combien d'high level avec ton main? Ça parle de WoW, incroyable. Ça va être chaud hein, cette course. Je sais pas si je vais y arriver les enfants. Au pire je la finis en médaille d'argent et après je passe sur les autres. Pour qu'on voit un petit peu des choses différentes. Là vous voyez je serai en solo devant mon PC en mode je m'en bats les steaks, j'essaierai de la finir et j'y passerai ma journée. Et là comme on est en stream voilà. Je vais essayer de faire du spectacle et voir d'autres courses. Alors là on dirait que j'ai touché mais j'ai pas touché en fait. J'ai pas touché. Oh, oh là là. Là j'ai carrément touché par contre. Vous voyez là par exemple elle a fait une erreur la médaille d'or. Elle fait toujours une ou deux erreurs dans la course la médaille d'or pour que vous puissiez la rattraper. C'est fait exprès hein. J'ai tellement peu de frames en fait. C'est très dur de jouer à un jeu de vitesse quand vous avez des drops de frames. Je sais même pas si ça se verra pendant le live. Enfin l'enregistrement du live. Peut-être faudrait que je baisse la qualité un petit peu. Il faut que j'arrête de prendre ce mur en fait. C'est ce mur qui me met totalement au fond. 1.24, là c'est la merde. Je vais essayer quand même de choper la médaille d'argent. La médaille d'argent. Ah, je l'ai très bien pris là. Ah, j'ai pas touché, vous voyez. 2.26. Bon, normalement la médaille d'argent, hein, elle est pas très forte. Tiens, suivons-le par là. Oh putain, j'ai fait de la merde. Oh là là. Oh, ma voiture a trop fait de la merde. Waouh. Enfin, j'ai pas compris, j'ai dû faire un truc sans le vouloir. Appuyer sur une touche. Bon là j'ai pris masse mur et tout, c'est totalement mort pour la médaille d'or bien sûr. Je pense que vous l'aurez compris. Ah mais ouais, non mais j'ai trop de pertes de frames. De frames. Ça va pas du tout. 4 secondes 33, je suis même pas sûr d'avoir la médaille d'argent. Non mais là je prends vraiment trop de murs là. C'est digne d'un joueur normal. Oh putain c'est pas fini. Non mais là ça va pas là. Je vais reset l'enregistrement. Regardez,